Le Centre de commerce international, agence des Nations Unies de l'Organisation mondiale du commerce basée à Genève, va contribuer à la première foire d'importation de la Chine en travaillant avec 100 petites et moyennes entreprises originaires de 20 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Nous avons conscience de l'importance de la Chine parce que nous avons connaissance de l'importance du commerce sud-sud. Le commerce sud-sud a augmenté plus de 5 fois dans les 10 dernières années. C'est aujourd'hui presque 30% du commerce mondial. Il faut que les petites et moyennes entreprises du sud puissent mieux exploiter ce marché du sud qui est la Chine. Le Centre de commerce international a motivé sa sélection des entreprises qui participeront à la première foire d'importation de la Chine sur différents critères. Bon, nous avons essayé de nous motiver sur certains critères. Critère numéro un, c'est jeunesse, c'est des entreprises des jeunes, parce que en gros, c'est là qu'il y a un énorme potentiel. Deux, c'est des entreprises dirigées par des femmes. Et trois, c'est des entreprises à la fois dans les secteurs des manufactures, mais aussi dans les services, et notamment dans les services des IT, des services autour du commerce électronique, sachant que là, il y a aussi un énorme potentiel pour le pays du Sud. De mieux se connecter avec d'autres pays du Sud. L'ITC a pris la décision de se focaliser sur des entreprises qui se situent dans la base de la pyramide car leur fournir la possibilité d'exportation signifie augmenter leur contribution à la croissance nationale et créer des emplois. La directrice du Centre international de commerce prendra la parole lors de l'ouverture de la foire internationale des importations à Shanghai pour défendre les 100 petites entreprises qu'elle soutient. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.